Tour 10e accueille la CA Ajaccio 14e. Des Tourangeaux qui ont des soucis en défense puisque Bourse, Diakité et Louvion sont blessés. Il n'y a eu que 3 victoires sur les 12 derniers matchs pour Tours, mais une seule défaite sur les 6 dernières rencontres. Pourquoi pas s'imposer contre une équipe qui lutte pour son maintien, mais la CA Ajaccio va mieux. Les Corses restent sur 2 victoires consécutives et n'ont perdu qu'une seule de leurs 9 dernières rencontres. Sainati est toujours suspendu pour la CA Ajaccio. Scribe, le gardien titulaire habituellement, est blessé. Rifi Mandanda continue l'intérim. Un intérim réussi, de bonnes performances pour Rifi Mandanda ces derniers temps, qui voit ses coéquipiers prendre les premières initiatives. Un premier ballon d'attaque pour la CA Ajaccio et un but dès la 5e minute. Il est signé Vincent Marchetti. Deuxième but de la saison pour Marchetti. Et la CA Ajaccio qui continue sur sa lancée, qui montre que c'est une équipe en confiance actuellement. Tour essaye de répondre, notamment sur ce corner. Le ballon sur la barre transversale, pas de réussite pour l'équipe de Marco Simone. La balle d'égalisation était bien là. Une action un petit peu confuse qui n'a pas voulu sourire. Mais ça a le mérite de réveiller l'attaque tourangelle. Malgré la domination nouvelle de Tours, pas d'égalisation, pas de but en première période. C'est bien la CA Ajaccio qui mène 1-0. En seconde période, la CA Ajaccio veut maintenir cet avantage, voire l'améliorer pour ramener une victoire qui serait la 3e de suite et qui permettrait de s'éloigner véritablement de la zone de relégation. Mais Tours n'entend pas se laisser faire comme ça. Des Tourangeaux qui réagissent et qui insistent sur le but corse dans cette seconde période avec une accumulation de coups de pied arrêtés, notamment ce corner. Le ballon est touché en dernier par le malheureux Zakaria Diallo. Égalisation tourangelle avec un but contre son camp du défenseur de la CA Ajaccio. 10 minutes après le retour du vestiaire, ça fait un but partout. Puis Tours qui insiste avec ce nouveau ballon devant le but et la talonnade du capitaine Laurent Aguasi qui a failli marquer un but assez rare. Mais ce n'est pas assez fort, ballon capté par Rifi Mandanda. Pas de but supplémentaire, un but partout entre Tours et la CA Ajaccio. C'est fini à Créteil, où Dijon s'impose à Créteil 1-0. C'est fini également.